Donc on a l'IoT Business Day aujourd'hui avec la société InfraOps. Que fait InfraOps ? Alors nous travaillons sur les réseaux informatiques au niveau des adresses IP. Et en fait, on a une innovation qui permet d'éliminer les contraintes qu'ont ces réseaux, qui sont l'unicité de l'adresse ou qui sont ce qu'on appelle la DNS, un peu le répertoire de communication entre les composants et leurs adresses. Et pour des non-spécialistes, en fait, vous permettez de faire quoi dans le détail ? Alors, en éliminant les contraintes de ces réseaux, ces contraintes sont aussi les règles des hackers. Donc on élimine les problématiques de déploiement de virus. Les virus sont limités dans des petites zones, ils ne peuvent plus passer à la zone d'à côté. Et on va aussi limiter ce qu'on appelle la cartographie, c'est-à-dire la possibilité d'un hacker de découvrir le réseau, qui est son premier travail en rentrant dans un réseau informatique, et donc dans des composants IoT qui voient le réseau. Et vous cherchez quel type de clients en fait ? Alors on est plutôt sur des clients qui vont avoir plusieurs bâtiments, plusieurs services, voire du cloud aussi bien que des salles machines, des infogéreurs aussi, qui eux ont besoin de gérer beaucoup de sites, industrialiser des environnements différents. Et ce matin, est-ce que vous avez eu quelques contacts de ce type ? Oui, ben des contacts entre autres avec Jaguar Networks, qui est quand même un des plus gros partenaires ici, Airbus aussi qui s'intéresse à la question. Donc effectivement des très très bons contacts. On vous souhaite une aussi bonne après-midi alors. Je vous remercie, bon après-midi.